Bonjour. Et bienvenue dans cette nouvelle session, cinquième session de Horizon Zero Dawn, la Complete Edition sur PS4. Je crois que dans la dernière session... Oui, c'est la dernière session qu'on a eu l'occasion d'atteindre Méridian, d'en apprendre un petit peu plus sur les conflits qui sont en train de se passer. Hein, la sœur de l'un de nos nouveaux amis qui a été assassiné. Ah oui, d'ailleurs, j'avais été tracassé parce que je pensais que ça allait être une quête et on n'a pas reçu de quête qui parle de ça pour le moment. Mais bon, on a reçu 1 million de quêtes déjà. 1 million de quêtes en plus des activités qu'on a déjà à faire avec les camps de bandits et tout ça là. Donc on a de quoi faire de toute façon. Là-dessus, j'ai mes munitions sauf là. Voilà, on se met bien. Je crois que j'avais fait mon petit marché, on n'avait pas forcément checké tous les marchands parce que, ma foi, on a compris que les marchands spéciaux, c'est « Ok, il me faut un ingrédient en particulier, je vais aller les voir. » Et après le marchand standard, bon, voilà, hein, j'ai envie de dire. Partie de chasse... Ok, on a 1 million de trucs là. 1 million de choses à faire. Qu'est-ce qu'on va se faire? Qu'est-ce qu'on va se faire? Déjà, est-ce qu'il y a encore des choses... Non, je vais refaire voir. Est-ce qu'il y a encore des choses qui peuvent nous intéresser dans cette zone-là? Là, il y avait encore un camp. Ah, mais il y a des choses qui vont vers là. Alors, au cœur des contrées gelées, ça, c'est le DLC. Hein, on n'oublie pas. C'est le DLC, donc on ne fera pas ça pour le moment. Hein, on rappelle. Rappel, c'est dans les quêtes annexes ici, au cœur des contrées, voilà, c'est celle-là. Celle-là, comme dit, c'est du DLC, donc on verra ça plus tard, bien plus tard. Par contre, c'est vrai qu'on a encore un camp de bandits par là. On a du camp de bandits aussi ici, du caudron, enfin voilà, on a 1 million de trucs. Je suis assez chaud pour aller faire ce camp de bandits là. Je vais pas faire genre les ruines et tout ça, mais faire le camp de bandits, peut-être la zone corrompue aussi. Histoire d'aller se chercher ça. Enfin, peut-être la ruine quand même aussi. Mais peut-être pas aller chercher tous les objets par contre, ça on verra plus tard. Mais ça me tente bien. On va voyager ici. J'ai encore pas mal de pactage, mais c'est vrai que si on tombe sur des animaux, il faudra que je chope de la viande pour pouvoir en crafter davantage. Et après on reviendra du côté plus désertique, canyon. Peut-être qu'on fera de la quête, peut-être qu'on fera de l'activité. Les deux vont ensemble, hein, parce que dès qu'on découvre le camp, après ça devient une quête de toute façon. Du moins, ça prend une place dans notre journal d'activité, quoi qu'il arrive. Et juste cette icône de ruine là qui est grisée, ou je sais pas ce que ça fait quand on l'a en vert. C'est parce qu'on a récupéré des choses dedans ou pas. Je ne sais plus, je ne sais pas. Faisons ça déjà, et ça va nous remettre un petit peu en jambe. On va aller checker... On va aller checker la quête, hein. Je pense qu'on a pas mal de tâches aussi. On a beaucoup cumulé. On a de quoi faire avant de continuer l'histoire principale en tout cas. Clairement. Alors... nous sommes ici, alors déjà je vais vouloir prendre ce feu. Maintenant j'ai pas eu celui-là aussi. Il y a une zone corrompue ici aussi d'ailleurs. Bon, commençons par prendre ce feu déjà. Hein. Une chose après l'autre. À force d'avoir trop de choses en même temps qu'on se retrouve paralysé. Hein. La choice paralysis. Magnifique accent s'il en a. Nice, du bleu. La paralysie du choix. Mon cerveau qui n'arrive plus à déceler une quelconque direction vers laquelle se diriger, qui n'arrive plus à passer à l'action, et à vous commander de faire quelque chose, hein, d'agir. À partir du moment où vous avez trop de facteurs à prendre en compte. Donc on réduit tout ça, hein, on fait... Alors il y a un feu là-bas qui pourrait être intéressant, mais... Il y a un feu ici aussi, vous me direz, mais ça on verra peut-être... Les feux, on verra ça quand on ira choper les objets, je pense. Allons donc s'occuper de ce... De ce camp, je sais pas quel niveau il a. Il doit pas non plus être si méchant que ça. De tête, quand on fait des camps,
On chope aussi un feu avec, non? Je sais plus, il y a un renard là. Il fait peur. Mince. Très fort, hein, les... Les animaux par ici. Très doué. Ah, lui, un peu moins, quand même. Oh. Ok. J'ai choisi le dindon. Je me suis dit que le dindon avait plus de... Elle est bien fraîche. De viande. Un peu déçu. J'ai qu'une viande riche. Mais bon. Déjà pas mal. Déjà quelque chose. Ah, on voit les lumières, ici. Il se passe des choses. Nouveau camp de bandits. Allez, on va se l'équiper. Hop. Tuer les bandits. C'est du niveau 25. Je suis niveau 23. C'est au-dessus de mon niveau. Nous prenons des risques. Mais c'est aussi ça, la beauté du jeu vidéo. Alors, je sais maintenant... Ah, des snipers d'élite. D'accord. Je sais maintenant que je peux... m'amuser... Marqué. Ce qui peut être utile hein, dans ce type de situation où on vise à buter tout le monde, hein, mine de rien. Ah mince, j'ai enlevé la marque au lieu d'en rajouter une autre. Voilà. En plus on voit à travers les murs à partir de là. C'est gagné hein, j'ai envie de dire. Il y a beaucoup de petits crânes, hein. C'est les élites. Mec particulièrement fort. Approchons-nous. Ah mince, je suis sur les flèches renforcées. J'ai chassé des animaux avec les flèches renforcées, ça n'a aucun intérêt. Une flèche standard les bute, sauf pour les sangliers. Ah, c'était pas la tête ça? Pas non plus. Bordel, mais j'étais trois fois dans la tête. Et ça n'a pas voulu. Un peu déçu, hein, on va pas se mentir. Mais c'est vraiment 30 points de dégâts, c'est des dégâts améliorés. Un petit peu de déception quand même. Hein. Ok, ça c'est à moi maintenant. De l'autre côté, ça bouge un peu, mais ça reste dans le camp. Pas de vilaine surprise. Ah, il y a le sniper qui me tire dessus, là. Ok, c'est bon. C'est bon, il est en train de calmer ses ardeurs. Allez. Là, je pourrais utiliser ça, parce que ça fait une courbe. Oh, il esquive. D'accord. Et qui envoie des fusées. Ah, si je peux lui choper son lance-fusée là. Son lance-patate. Très fort. Oh, mais il est très très fort. Il ne s'arrête jamais. Ah lui il prend bien cher lui. Voilà lui je l'aime bien. Ah, ils sont complètement renforcés hein. Je fais pas les headshots. On peut respirer. Ok il descend. Il descend c'est merveilleux. Il y a tout un groupe là-bas. Je veux faire le mec qui est là tout seul. En ce moment, je prompte pas d'autres gars derrière. Mais peut-être que si. Oh, oh il m'a bien niqué. J'ai peur.
Ok, bon. Changement de plan. Changement de plan. Ça aurait pu être très bien, mais j'ai lâché mon arme. Touk. Ok. Touk. Ok, un autre en moins. Ok, 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 on est pas mal. On les a éloignés un peu de l'arme interdite. Oui, c'est bon. Ok, un en moins. Ok, ok, on leur met la misère là. La bonne patate. Si tu esquives un petit coup fort, ça fait la smoule. Hein. Voilà. Ok, on est bien. Je voulais pas faire ça, mais... Mais je prends quand même. Qu'on soit clair, je prends. Ouah ! Il m'a fait trop mal. La douleur. Une interception. Sans malice, quoi. Ok, bon, l'esquive plus attaque forte derrière, hein, c'est vraiment le coup magistral. Hein. C'est le coup qui aide à tous les coups. Ok, 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 ok. Ah, j'aimerais bien looter pour éviter de... d'oublier. Faut pas que je me prenne des patates parce que je veux goûter trop tôt non plus, mais bon. Ça donne envie. Tous ces trucs bleus, là. Des amulettes et du verre. Oh la vache. Moi, je récupère. On est là entre amis avant tout. Il a tiré là ? Non, il tire pas. Il y a comme une hésitation. Oh ! Mais le mec a pré-shot où j'allais aller ? C'est un génie ! Tiens ! Au final, que je charge ou pas la flèche, ça fait les mêmes dégâts. J'ai dû penser. Charger, ça fait quoi comme différence du coup ? Oh, je pourrais leur balancer ça, hein, franchement. Les mecs qui sont améliorés. Charger, c'est qu'elle part plus vite. Elle a plus de chances d'arriver au... à l'endroit où je tire. C'est moins de dispersion, c'est ça? Ah oui, non, mais les flèches comme ça, c'est les mieux. Très bien, on va plutôt partir sur ce modèle pour les... pour les mecs renforcés. Ah, mais il a chargé plusieurs flèches, lui. C'est un sacré mec. Oh, quel enfoiros! Quel enfoiros! Je l'ai vu charger plusieurs flèches en plus, juste la fois d'avant. Mais je me suis dit, ça passe, on est bien. Ah, quel dommage! J'aurais dû lui rush la gueule. On est où là? Ah, c'est bien, on reprend ici. Ça va pas sauvegarder le fait qu'on ait gardé cette mission, mais... Mais ça a gardé le feu qu'on avait chopé là. C'est bien. C'est bien. Ah merde, par contre, faut que je refasse... tout ça. Bah, comment on fait déjà? R2, allez, hop. J'ai l'impression que j'ai pas tout le monde. J'ai l'impression que j'en ai moins qu'avant. C'est pas normal. Ça n'a rien de normal là. Alors, on prend les vraies flèches, hein, parce que c'est.
boy. Ah ouais, c'est, je crois que c'est la dispersion, il y a plus de dispersion quand... Plus de dispersion quand tu vises moins. Okay. Ok. Bon, le loot, on verra plus tard, hein, finalement. Pas trop de risques. Je suis mitraillette, mon gars. Se couvre bien ce bâtard. Ok, c'est bon. Ok, attention. Oh, bâtard là. Oui, j'ai dit le loot, on verra après, mais... Mais là, quand même. Respectez-moi. De toute façon, maintenant je connais le coup du fusil à pompe avec l'arc là. C'est bon, plus aucune surprise. Plus aucune surprise dans notre relation. On se fait chier quoi. Non, je plaisante, bien sûr. Alors, il suffit que je dise ça, il y a 1 million de gens qui arrivent. Bonjour, enchanté. Oh la vache, aïe, ça y est, c'est... Cercle du feu, là. Oh mon dieu! Ok, je vais bien. Oh, j'en ai eu deux. Oh là là. Oula, bonjour, enchanté. Voilà, ça qu'on veut. C'était leur groupe de guerriers émérites, hein, bien sûr. Les champions du CAC, comme on les appelait. Cirque du soleil. Celui-là. Alors lui, attention, lui qui pose des trucs par terre, là, c'est Jean-Claude. Jean-Claude qui nous a eu avant, on le rappelle. Une mission. L'enfer, hein, y a pas de problème. C'est moi qui offre. Au pire, je perds quelques flèches, mais ça va quand même largement plus vite de pas viser à fond dans ce genre de situation. Il esquive, enfin il part les attaques en plus. Il est ouf Jean-Claude. J'ai pris ma masse. Ah bon, t'es bien parti pour mon pote. Hein. Voilà. Belle passoire. Voilà. Yo, 24 atteint. Ah, voilà, hein, moins en moins d'écart. Ça fait plaisir. Que du bonheur. Ça, je suis à fond. Pas de soucis, j'en prends une du coup.
Ah oui, ça me donne des PV max en plus. Ah, c'est une potion de ouf en fait, la potion jaune là. Ça donne bien du plaisir. C'est ce qu'il voulait dire par ça augmente la vie, la santé, tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez. La vie et la santé. Bonjour les amis. Les petits amis. Attention. Attention. C'est pas passé loin ça. Oh non, c'est pas passé loin. Il avait une bonne vol et je l'avais bien. Oh mais quel bâtard.